est au Punch, complexe sportif qui a été créé depuis 87-88. C'est un super complexe d'à peu près 2000 m² où il y a les sports de combat, arts martiaux, la boxe avec des rings. C'est là que j'ai débuté le taekwondo. Magda, elle est allée au Punch, elle avait 2 mois dans son petit... Tu sais, quand tu reprends le travail, donc à 2 mois, je l'ai emmenée ici. Tant qu'elle n'a pas réussi à faire quelque chose, voilà. Elle va jusqu'au bout des choses. Exactement. Et c'est ça, c'est une très grande qualité. Gilles suivait sur internet et moi j'étais en liaison avec Myriam Baverel par SMS interposé. Et elle m'a dit, elle vient de passer le quart, et puis elle m'a annoncé le résultat et puis elle n'a pas arrêté. Ensuite j'étais cachée dans la salle de bain avec une couverture sur la tête, c'était un vidéo gag. Et puis elle me disait le résultat, toi tu le suivais. Moi je suivais en direct, je ressentais ce que ressentait son coach sur la chaise sur certaines des actions. J'avais la coréenne dès le premier tour, je me suis dit que ça allait être dur. J'ai gagné au point nord le premier tour, puis après j'ai eu 4 autres combats jusqu'à ma finale contre une Suédoise qui m'avait déjà battu 3 fois, donc c'était ma revanche. Ils étaient à égalité à un moment au deuxième round, et puis au dernier round ça a coupé. Et Myriam m'a dit « Elle a gagné !» Alors là, on a explosé de joie, tu vois, c'est vrai que c'était un grand moment de bonheur. C'était mon objectif, c'était de gagner la compétition, et je voulais vraiment pas perdre contre elle. Ma maman.